Salut à tous, c'est Paris Gat. Bienvenue dans le groupe Simu pour cette saison 5, la crème de la crème des pilotes. Éteignez le son, rendez-vous au premier virage. Magnifique séance de qualification, place au Grand Prix du Japon sur l'un des circuits les plus excitants du calendrier de la Formule 1. Soyez les bienvenus à Suzuka. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km/h de moyenne par temps sec. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live de la F1 Simulator France en compagnie du groupe Simu. Ce soir, donc, nous serons sur le Grand Prix du Japon et en ma compagnie, pour m'accompagner tout ce soir, ça sera notre commissaire en chef, Monsieur Aurel. Comment tu vas? Ça va et toi? Et bonjour tout le monde. Ça va très bien. Hâte de voir cette reprise. Enfin, cette reprise. Revenons à la normale, en tout cas en compagnie de ce groupe Simu, dans ce groupe Japon, dans ce Grand Prix du Japon, pardon, on va y arriver. On revient à la normale, donc qualification complète est au rendez-vous, ainsi que les courses de 50% comme d'habitude. Voilà, que dire de plus? On va aller voir un petit peu ce qui se trame. Tu as passé un bon week-end, mon cher Aurel? Très très dur. Pas beaucoup dormi, mais très très bon week-end. Ah bon? Très très... Oui. Ah. Et toi? Quel... Ah ouais. Je suis très fatigué. toi aussi, c'est bizarre. Comme par hasard. Ouais. Comme vous avez peut-être pu le voir, on est passé en live ce week-end. Bien évidemment, il y avait une rencontre entre pas mal de pilotes d'entre nous. Puisque nous étions en vacances un petit peu dans le Schnorr, hein. Donc on en a profité pour un peu tous aller faire du karting, donc vous avez pu voir qu'il y a des lives qui ont été faits en direct par Nana et par toi-même, et par Salomé en plus qui a été un petit peu dedans, voilà, donc juste histoire de rigoler, et qu'on se retrouve sur la piste en réel. Beau combat il y a eu, hein. Oui, tout à fait. Apparemment, il y a quelqu'un qui t'a envoyé quelque chose, apparemment. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose. Ouais. Ah oui ! Oh, ça va être compliqué. Merci, Karma. Je vais essayer. Je vais essayer de faire... De faire ça. D'essayer de le passer. Bon, apparemment, ils ne sont pas pressés de sortir. Bon, mais écoute, s'ils sont pas pressés, tant pis pour eux. On va faire un petit point. Le réservé ce soir, il y en a... Attends, attends, tu vas trop vite. Le point du réserviste de ce soir, puisqu'il y en aura qu'un, il sera chez McLaren pour remplacer Sunny. Spanish roulera donc en compagnie de Juju RM chez McLaren. Ensuite, au niveau du classement des pilotes, vous voyez, ça reste extrêmement serré dans le top 5. Shox est en tête avec 129 points, Felcoz est derrière avec 121, McQueen 114 et Wizard 107 avec Reda 105 et le reste du peloton qui reste à déterminer encore tout de même. Il reste des courses, hein. Au niveau écurie, c'est Ferrari qui est en tête, légèrement en tête avec 228 points, 219 pour Mercedes et Williams avec 208. Il y a un trio là qui se bat. Et ensuite, tout le reste du peloton reste à déterminer et il va y avoir de la bataille encore jusqu'au bout, j'ai l'impression. Allez, ne perdons pas plus de temps.
Allons les rejoindre. Ces Oui, pilotes Kamado est sorti. En piste. C'est le seul. Ah non, 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 c'est pas le seul. Il y a. Makeups qui est sorti aussi. Mais le premier à être sorti, c'est Kamado. Kamado. Alors, on va se mettre avec Kamado. Tout le monde a son numéro, j'ai l'impression, c'est parfait, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Pour une fois, on est bien. Oh non, voilà. Serait-il trop tôt pour avoir la météo? Merci Jonathan. Hello messieurs. Bonjour et, Jonathan. Pas de pluie à prévoir en tout cas pendant cette Q. Hein. Bon. Si tu veux plus de détails, le voici. Il n'y a que 10% de pluie. Comment que ça va bien? Eh bien, ça va. Très fatigué, mais ça va. Je vais juste m'intercaler. Déplacer Aurel. Hop. Voilà. On sera mieux. En espérant un véritable déluge pour la course. Ah, tu souhaites de la pluie à nos chers. Ah, c'est souvent pilotes. Ici au Japon. Ouais, c'est rare qu'ils ne viennent pas pleuvoir. Écoute, on n'en sait pas plus pour l'instant. On va voir. Hein. Mais pour l'instant, Kamado va nous offrir le premier temps. Et ce qui nous permettra. D'avoir une petite référence sur le circuit. En attendant les gros lourds derrière. Ton vous salue l'équipe. Eh bien écoute, on te salue à nous aussi. Il y en a qui te demandent la carte, si c'est ouais, possible. Bah oui, comme d'hab. Hein. Voilà, elle y est la carte. Salut Exidos. Salut Exidos. Exidos. En coréen, des chevaliers des zodiaques, Exidos. Ah, je savais pas, merci. Non, je sais pas non plus, ah, mais d'accord. Le nom, ça bah, fait. Je sais pas, tu dis. Oh, je vais me faire engueuler, hein. Je sens que je vais passer une soirée. Je vais tu devoir me faire tout petit. Tu en fais vraiment trop. Oh, oh j'aurais dû le compter, combien que je l'ai entendu. Allez. Bon, Makeup se va passer la ligne, ça sera lui le deuxième. Oui, on le voit, à nos moutons. Secteur 1, secteur 2 est en vert, pas en violet, donc pour l'instant Kamado reste devant. Et oui, une 31, 850. Oui, il y a 9 dixièmes. Ouais. Il y a pas mal. Ensuite, on a Fatal, Isaltar qui sont dehors, Isaltar est en tour. Ils étaient là, et en tour. Et... en médium. En médium. Ouais, en médium, monsieur. On va monter avec lui, tiens, d'abord. Et il n'a pas activé sa batterie, tu vois. Donc, il fait juste un tour, je pense, de découverte sur la piste. Avec les médiums. Mais beaucoup, ils sont sortis en médium, hein. Ouais, j'ai que les pneus en fait de ceux qui sont passés. Je sais pas. Son 9 est en médium. Ok. Ah oh, bah au moins. Et ils sont tous en tour de sortie, sauf Fatal, ça y est, qui est en tour. Est-ce qu'il est véritablement en tour? Oui, il est en tour, il a activé la batterie à plat. On va rester avec lui. Il est 1/10 du temps de Kamado avec ses softs. Oh là! Ça glisse pour Fatal. Allez. Tour raté. Premier tour raté en tout cas. Pas de dégâts, j'ai l'impression, sur la Red Bull de Fatal. Alors, notre Viking va pas tarder à lancer aussi. Notre Viking national. The Prodigy a l'air d'être en course. Ouais, il est en chrono. Et en médium également, et tout le monde va passer médium, c'est fou ça. Ouais, c'est devenu mode. Et le voilà qui lance. Allez, on va finir le tour avec Prodigy.
Wizard qui est passé en 1.32.780 avec des médiums. Mais je... Oh, ah, notre viking est en travers. Oh, il vient. Oh, là, bah, il est. Bah, voilà. Oh non! C'est fini. C'est fini pour notre viking. Oh, 5 places de pénalité pour Wizard. Wizard. Oui, bah, il a spin Wizard qui est arrivé et qui lui a pris tout l'avant. Malheureusement. On est en train de le suivre à l'image, ouais. Et il y a son monsieur qui rentre dans le garage. Bon, il a l'air un peu dégoûté et ça va oui. De suite envoyer. Ah oui, on voit sa monoplace sur la gauche. Ah Tom qui a coupé. Bon, une 31-5 pour l'instant pour Prodigy. Tom qui a l'air de relancer un tour. Oui. Nenel est en tour. Check a coupé aussi. Shox qui va sortir. Ah non, Shox ne sort pas, il est de restand. Autant pour moi. Moustique qui vient de lancer son tour. Moustique. Je finis avec Nenel qui vient à la troisième position en 1.31.372. Tu m'as dit Moustique. Allez, on va se mettre avec Moustique. Moustique qui a lancé son tour. Oui. Allez. On se met avec Moustique. En plus, il est avec nous en caméra. Notre beau Moustique. Et il me semble qu'il a mis le premier secteur dans le violet. Alors, moi, je l'ai en vert. Ah, bah, c'est parce que c'est son premier tour. Exactement, monsieur. J'aurai le détail un peu plus prononcé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Fatal, 1.31.378. Ça reste très proche de Nenel et passe devant son coéquipier pour DJ. Mais les médiums restent, ils sont dans les mêmes secondes, hein, ils sont. Ouais, ça a l'air de ils sont proches quoi. Mm. Salut à toi Huracan, merci à toi pour ton follow et Common Wizard, it's summer time, on nous dit. Exactement. Mais bon là, il vient de prendre 5 places de pénalité Wizard en cassant une. Oui. McLaren. Et Moustique va arriver et Moustique. Troisième. Ça nous fait le troisième temps. 1.31.067. C'est très proche de Guidance qui est passé à la seconde en 1.31.049. Et en médium. Hein. Je vais l'enclencher. Tu peux l'enclencher, oui. Reda, Felkos sont dehors. On a Check Ismail qui arrive sur la ligne bientôt. Ça va chercher loin. Et ça va chercher la ligne. En tout cas, ça va aller chercher le meilleur temps pour Check Ismail. Check. Et c'est en soft. 1.30.311. Mais certains médiums vont être obligés de relancer. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de médiums qui va devoir relancer. Tiens, Wizard qui vient se glisser à la deuxième place. Taxi Julien qui est en tour. Ouais, on est dessus. Ah. Ah. McQueen qui est en tour. Ah, ça a l'air d'être. Ah. Petit message de Juju sur le Discord. Je cherche peut-être des explications. Et McQueen, une 30.1. Ouais. En médium. En médium. C'est bon. On a compris. Ah. Ah, il est meilleur sur un jeu vidéo, hein. Mais quand il y a la crème en vrai, il n'y a plus personne. Je rigole, bien sûr. Salut les travailleurs, les vacanciers vous saluent. Salut Gadgad, profites-en bien. On réchauffe la place en tout cas. Taxi Julien se glisse à la 9ème place en 1.31.250. En parlant... Bien, Reda, où est-ce qu'il en est? Le prince, l'empereur du Japon. L'empereur du Japon, le genre que tu verras un prince au Japon. Ouais, ouais, et fais-moi signe. Il va falloir qu'il se calme, le bonhomme. Ah, mais je remets bien les choses en place. Tiens, regarde ça. Check Ismail a le secteur 1, McQueen a le secteur 2 et Wizard a le secteur 3.
5 places de pénalité avec Taxi Julien pour Bastien. Oh là 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 là. Rémi, Anglaise va bien. Anglaise. La crème, ah bah oui, la crème anglaise. Oh là là. Oui, elle va très bien. T'inquiète pas, tu vas la retrouver demain ou peut-être dans la soirée si jamais je dois... Ciao, bye. Si je dois partir travailler. Ne t'inquiète pas, elle va très bien. Ouh, ça a joué une petite aspiration. Oui, je l'ai vu. De la part des Mercedes. Les petits filous. Est-ce que ça va marcher? Ça non. Vient marcher doucement. Parce que 1.30887 pour Reda. Ah, l'empereur. Est-ce qu'il, je crois qu'il a gagné deux ici. Oui. Ce serait peut-être sa troisième. Attention à Shox qui a l'air de faire un gros temps. Je vais juste suivre l'arrivée de notre nouveau, puisqu'on ne l'a jamais encore vu en piste Spanish. Notre réserviste qui nous a rejoint il y a peu et qui est en piste. Et qui passe 17e en 1.32006. Ça peut être compliqué, attention. On va se remettre avec Shox. Ouais, Shox qui va arriver. Il a l'air d'être très rapide. En tout cas, 4 dixièmes de retard Damien. Sur le temps de McQueen. Il a seulement 4 dixièmes de retard sur le temps de McQueen. Donc ça peut le classer dans les 5 premiers. Ok, Dédé. Cinquième. Merci. Bravo. C'est normal, c'est normal. J'ai envie de te dire. C'est... D'accord. Enfin, t'es mieux à donner les temps qu'à donner les... Pardon les... T'es mieux à donner les oui. temps oui. que okay. donner les... Comment dire? Pas les présidents, mais l'empereur. Oh, pour mettre l'empereur en place là au Japon. Là. On peut pas être bon partout, on peut pas être bon partout. Ça me fait vraiment peur. Ça m'agace. J'espère bien. Ah oh, oui. Ah oh, oui, ça m'agace. allez, on va suivre le petit tour de sortie là. De... Ah là, ça sort. Là, ouais. Comme par hasard, hein, on voit que tout le monde sort d'un seul coup. Hein. Il serait peut-être temps quand même, parce que 3 minutes 30. Hein. Insultez-moi donc, de tous les noms, s'il vous plaît, faites-le. Non. On va éviter de dire trop de grossièreté en live. Merci, Huracan. Mekebs va lancer, il y a derrière lui. On dirait que c'est Shox. Ou alors c'est Nenel qui lance son tour en même temps que Mekebs. Ça va peut-être ça. Poser Shox. Des problèmes, cette histoire. Shox est là, Nenel... Non, Nenel est en pleine... Attends, je vais voir. Non. C'est pas Nenel derrière lui. Ah non, il a lâché. Oh, c'est bon. Ou alors c'est Shox qui terre. Ah mais non, Nenel, il vient de faire quatrième. Bah oui, c'est pour ça que... Puis Shox va bientôt lancer. Par contre, on n'a pas parlé beaucoup de lui, mais le Felcoz... Il est 14e pour le moment. Et il est sorti avec des softs, là. Alors qu'il est sorti en médium tout à l'heure. Ouais. Prodigy qui sort, là. Ah non, il est dans les... Oui, il sort, justement. Ah non, il est dans les stands. Ouais, moi, je le vois dans les stands. Ah ouais, il ne ressort pas. Bah, il reste 2 minutes 17, là. C'est maintenant qu'il faut sortir. Hein. C'est étonnant que ça ressorte pas. Spanish non plus. Si, Spanish, ça sort. Alors, mec, ça n'améliore pas le secteur 1. Il reste 2 minutes. Est-ce que l'amélioration va se faire dans le secteur 2? Oui, il améliore dans le secteur 2. Il est à 1 seconde 4 du temps de McQueen. Donc, ça reste une légère amélioration pour Makeups. Mais il va améliorer. Il va chercher trop loin. Tu vois? Il faut raser Fatal le mur des stands en... quand on est ici. Pardon. Fatal qui vient de lancer aussi. The Prodigy sort des stands. Ça va être trop tard pour The Prodigy. Oui.
Il a mis trop de temps, je crois que ça va être trop tard, il va être éliminé. On a Spanish qui est dans le mur. Ça va être trop tard lui aussi. Il est en temps de Non. sortie, lui, Spanish. Ouais, mais j'espère qu'il a pas cassé son aileron arrière parce que l'aileron arrière était vraiment collé au mur. Bastien est en train d'améliorer dans son secteur 1. Fatal va bientôt arriver. Il a amélioré le sec son secteur 2. Bastien, il vient d'améliorer son secteur 2 et le prendre. Donc, c'est-à-dire que là, il a l'air d'être chaud bouillant. Et Fatal, troisième. Ça améliore, ça Une améliore. remontée Et de Bastien, P13. troisième. Ah bah oui, il a pris oui, pour un dixième. Ah Même pas, ouais, à peine un dixième. Bastien a le secteur 2 en violet. Donc, il a bien amélioré. The Prodigy, c'est trop tard, hein. Oui, parce qu'il reste que 5 secondes. Oh, Oh il là, puis coupe ça tout. coupe. Oh Oh là, là, non, oh non, là, non. là, Oh bah, il a non, cassé. non, Comme ça, il a non, tout non, gagné. non. Oh non, non. Ça, c'est pas beau du tout, du tout, du tout. Oh non, non, non. Tom, qui est en tour encore. Donc, Spanish partira 19e. Oui, parce qu'il est... Oh, ça glisse pour Tom! Ça glisse! Ah oui! Oh! Ah oui, c'est fini pour Tom. Et Oh Felcos là qui prend la là là, pole. et Enfin, Fel... la pole. Et la première place. Une 30-0-0-0-2. Et la belle glissade de Tom. Hein. Malheureusement, il était en train d'améliorer. C'est terminé. Bah, Make-up se peut lâcher, hein, parce que du coup. Enfin, non, non, il peut pas lâcher parce Ah que non, faut qu'il. 16e. Il faut qu'il aille chercher le Non, temps du non, chat non, noir. je. Il est le seul. Sans pression, faut y aller. Il lui reste de la batterie. Il faut qu'il vraiment il vienne à améliorer ses trois secteurs et prendre 4 dixièmes pour passer. C'est faisable. Ça Ça tente prend un bien le risque. virage, hein. Ouais. Il y a peut-être une Il va, aspiration en plus, il va légère. avoir une aspiration, oui. Ouais, j'espère qu'il va pas être gêné non plus. Ah, c'est son coéquipier, ça serait dommage. Ah! Bah tiens, regarde, son coéquipier va te gêner. Petite gêne visuelle. Non, rase le mur. Il a plus d'essence. Ah, dommage. Il avait plus d'essence. C'est Il était dommage, en c'est train dommage. d'améliorer, il avait plus d'essence. Bon, bah, du coup, on a notre 5 éliminés. Felcoz a le secteur 1, Bastien le secteur 2 et Taxi Julien le secteur 3. Tu vois? Il y a le dixième temps Mais qui a dixième fait temps, je le le cherchais secteur juste 3 avant. en violet. Donc on m'a dit qu'il faudra que tu fasses l'annonce de ce que le message que tu as eu tout à l'heure en Q2. D'accord. Je le ferai. Donc le message est passé. Donc nous avons Bastien et Wizard qui vont prendre 5 places de pénalité déjà. Et nos 5 éliminés, pourquoi ça ne veut plus descendre? Nos 5 éliminés, donc c'est Makeups, The Prodigy, Tom, Spanish et Juju RM qui a cassé malheureusement, enfin qui s'est fait casser malheureusement pendant cette Q1. Exactement, les deux McLaren qui ne participeront pas à la suite des qualifications. Donc, Tout à fait. mais attention à la remontée qui peut être Oui. très très belle. Et tout dépend du si on va avoir de la pluie en course. Si on a de la pluie en course, ça sera une bonne piste, enfin une bonne météo pour notre Viking. Ah, ça on le sait, oui. On va voir. On va voir déjà comment se présente la météo en Q2. On voit le Oh, ciel un petit peu gris. sombre. Oui. Voilà. On va voir ça. Ah, est-ce que la Q3 ne serait pas sous la pluie, par exemple? Bah écoute, non, hein, il prévoit pas de la pluie. Il Non, prévoit pas de bon. pluie, hein, même pour la Q3. Tout sec normalement nous dit
Isata. Merci Isata. Allez, place à cette Q2. Je vais essayer de faire ce qu'on m'a demandé de faire, si j'y arrive. Il faut que j'aille chercher. Nous avons déjà une As qui sort. Donc c'est Kamado qui sort. Où est-ce que je l'ai ? Ouais, on est en train de me sauter dessus pour le faire, mais je me souviens plus où est-ce que je l'ai reçu. Tac. Alors, c'est là. Ok, hop. Tac. Enregistrer. Oh mince. Alors, je vais essayer de vous le montrer, tant bien que mal. Parce qu'il faut que je la retrouve. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée en fait. Peut-être là. Non, elle n'est pas. Oh mince. Alors attends, hop, enregistrer l'image. Ok. Qu'elle était là. Ok. Ah là, ça sort. Hein. Ça. Donc. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Pourquoi j'ai pas. Ah bah voilà. Donc tout le monde est sorti en soft sauf Check Ismail qui est sorti en medium. Bizarre, mais pourquoi ah ouais, pas. Okay. On nous a fait un bon temps tout à l'heure donc. Je l'ai. Donc Kamado va être le premier à lancer. Ça marche. Je vais me mettre sur Kamado. Mais en attendant, la voici la nouveauté qu'il fallait que je vous montre. C'est que le groupe de la WSF que vous allez retrouver jeudi soir avec l'écurie Alfa Romeo sont fiers d'accueillir la nouvelle pilote nommée Eva 94000. Elle a été nommée titulaire remplaçant donc Phoenix qui a décidé d'arrêter pour raisons personnelles. Elle nous manque déjà. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce groupe 100% féminin et nous vous donnons rendez-vous donc jeudi soir à 20h50 sur notre chaîne pour soutenir la féminine et Eva qui roulera sur le tracé d'Imola où elle rendra hommage aux victimes de l'inondation qui s'est produite la semaine dernière dans la région d'Émilie-Romagne. Exactement. Merci à Eva, en tout cas, de nous avoir rejoints. On lui souhaite un bon courage au sein de la WSF, et puis on espère qu'elle se régalera autant que toutes ces féminines qui en font partie. Qu'on retrouvera jeudi soir sur le circuit d'Imola. Merci Jonathan, ouais, bienvenue Eva Longoria. Donc bienvenue à Eva. Exact. Qui va rouler à Imola. Exact. Donc Kamado qui va arriver lui par contre. Ouais. Lui, au Japon lui par contre. Ouais, il est au Japon lui, hein. Il va essayer de détrôner l'empereur du Japon. En 1.30.6. Et c'est en soft. Isaltar qui va arriver aussi. Il y a eu un petit Stewart's warning. On a coupé un virage pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Ouh. Et Taxi Julien qui vient prendre le meilleur temps en 1.30.3. Et Isaltar un peu loin. 1.31.158. Il a dû faire une petite erreur. Hein, de ouais. Bastien, lui, va arriver. Check. Avec ses médiums qui est cinquième. Ah oui. Mais bon, en 1.38.2. Donc, je pense qu'il a fait une grosse erreur quelque part. Lui. Ou alors, il n'a pas mis la batterie. Ah, ou alors, il n'a pas mis la batterie, peut-être. Ah, il est peut-être reparti pour un deuxième tour, Marc. Ah oui, tout à fait. Je suis dessus. Il l'a enclenché. Karma, rapide coucou, j'ai le seum, j'ai perdu mon sub, comme ma carte bleue est bloquée. Ah, oh là, check qui est parti en travers. Ouh, les deux, on a failli revoir. Oh là là, ouf, ça va, ça se passe très bien. Ah. Dommage, Karma.
J'étais sur qui? Je m'en souviens plus. Bon, je me mets avec Guitan, je vois qu'il est en tour. On va se mettre avec une Alpine quand même. Pour l'instant, l'Alpine de Taxi Julien est premier. Tout à l'heure, Guitance nous a fait un très beau chrono. Tiens, regarde, il y a une Alpine en plus devant lui. Regarde-moi les chenapans. Les chenapans qui a pris le meilleur temps, 1:29.7. J'ai vu ça. Et on n'a pas raté, en tout cas. La belle aspiration là, offerte par Taxi Julien pour Guitance. L'empereur du Japon reprend les choses en main. Attention à l'arrivée de Guitance. Oh, c'est proche, hein. Une 29,988. Oui. Et puis Wizard qui est derrière une 30.0. Exactement. Mais lui, Wizard a intérêt à faire des bons chronos parce que la Q3 va être très très... va être très très compliqué pour lui parce qu'il va falloir qu'il fasse de très gros chronos parce qu'il a vu ses 5 places de pénalité sur la grille. Ouais, c'est vrai. Donc s'il peut pas partir très loin, il va falloir qu'il fasse la pole, voire la deuxième place. C'est vrai. Ouais, si y a Bastien ou Wizard qui se classe par exemple 15e, bah, il partira 20e et Juju gagnera une place, au moins. Tout à fait. Faut le voir comme ça. Ouais. Pour l'instant, les chronos, qu'est-ce que ça dit? Bon, Redal, moi je serais check. Vas-y. Redal, secteur 1, Wizard le secteur 2 et Guitance a le secteur 3. Je t'en prie. Ah oui, je disais, check, le mieux à faire, c'est qu'il rentre et qu'il mette des softs et qu'il ressorte aussitôt. Et là, nous avons McQueen qui va lancer son tour. Ouais, je finis avec Fatal. Vas-y, vas-y. Et on se classera avec McQueen. Fatal qui arrive en 1:30.468. Ça reste proche hein, de Taxi Julien. Ouais. Ouais, très proche. Allez, on se met en vue embarquée avec notre cher McQueen. Et moi, je suis avec Shox. Le leader du championnat, il me semble. Oui. Le tranquillou bilou, leader du championnat. Qui l'aurait cru? Moi. Première session, première saison sans Z. Ah, il a spin, malheureusement. Ah. Juste avant l'épingle. Ouh, que ça gêne pas. Ah, P4, très très bien. Ouais. Il a spin. Mais attention au watcher qui arrive derrière lui. Non, il s'est bien remis. C'était ouais. Très très propre. On va se remettre avec McQueen. Et Felkos qui n'est toujours pas sorti. McQueen qui est à 6 dixièmes du meilleur temps de Reda. Est-ce que les flèches d'argent vont aller chercher? Bon, mais voilà. Une 29, bon, ça... 509. Ça, c'est fait. En un tour hein, pour McQueen. Ah ben tu vois. Shox. Nenel a tour annulé. Malheureusement, Shox, ben, suite à son spin, n'est pas encore bien. On a Chat Noir qui arrive pour lancer. Mais il peut relancer Shox. Ben, et puis c'est ce qu'il fait, justement. Il relance. Ouais. Cas, ce qu'on voit pour McQueen, c'est que ça va beaucoup plus vite sur le jeu. Ah tiens, je pourrais le montrer ça aussi en live. Attends. Oh, nous avons une Alfa Romeo dans le à l'envers. Ah oui, chat noir. Voilà.
va voir. Hop là. Chat noir, est-ce qu'il est passé? Non, il n'est pas encore passé la ligne. Je suis en train de faire 50 trucs à la fois. Bougez pas, je vous montre quelque chose tout de même. C'est le résultat de ce qu'on vous parlait que ce week-end. Nous avons eu un petit rendez-vous tous ensemble. Voici le résultat en direct de la session. Mais où est McQueen ? Mais où est McQueen ? Ah, McQueen, il est deuxième avec 2e de retard. La crème, McQueen, Guitance, Reda, Poivron et Sokoki étaient sur la piste avec nous. Et Shox voilà. Qui a pris le 7e temps. Et on a Chat Noir qui arrive et qui a encore eu un problème dans le secteur 3. J'ai pas vu, hein. Peut-être que vous l'avez vu en live, qu'il a peut-être glissé ou pas, je ne sais pas. Ou ah, ça a coupé pour Chat Noir. Oh, puis il a spin dans le virage. C'est pas son... C'est pas sa course, on dirait. Oui, voilà. Attends, parce que Bastien est en Felcoz. On n'a pas vu Felcoz en plus. Ouais, bah, Felcoz été... vient de lancer son tour. Et bien voilà. Ils ont été sympas avec toi, c'est tout. Non. Ils n'ont pas du tout été sympas avec moi. Ça, je tiens à le dire, à le préciser. Ils voulaient abattre quelqu'un. C'était bien évidemment moi. Mais ils ont pas réussi. Voilà. Je me rappellerai toujours des yeux de Guitance quand je l'ai dépassé sur la piste, qui étaient collés sur la visière. Mais je crois que ses yeux, ils sont encore sur la visière, là. Ah ouais, ça restait collé sur la visière. Qu'est-ce qu'on a pu rire, quand même. Ah oui, c'était un bon week-end. Ensoleillé, en plus, dans le nord. Ouais. Hein, il faisait pas froid du tout dans le nord. Dans le nord, ouais. T'as quelqu'un? Le chien. Et le chien, il a un prénom, le chien. Salut Boum Badaboum. Et Felcoz va arriver, lui, justement. Oui, on est dessus. Ça, je pense que ça va aller se battre pour le meilleur temps là. Ah non! Et une 29.8. Ouh là 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 là! Et il n'aura même pas le temps de ressortir parce que c'est presque fini. Ah bah oui, une 35. Donc voilà. Reda ressort. Ah non, j'allais dire. Non, je crois que les trois premiers sont à l'abri. Check Ismail. Guitance, pareil. D'améliorer, Check Ismail. C'est vrai que le sud n'est pas gâté en ce moment. Aujourd'hui, on a un peu crevé et toute la semaine, ils annoncent 30 degrés. Donc, on est bien. On passe plein. Jack Ismail remonte. 7e. Ça passe. Bah, moi, je suis sur. Oui, ça passe. Moi, je suis. Bah, c'est son premier tour en même temps, hein, parce que en médium, il a fait que ça de tout louper. Ah oui. Iseltar aussi. Et là, on a Taxi. Moi, je suis sur Taxi Julien, notre Alpine. En tour de sortie, moi je suis sur Kamado qui est en train d'améliorer. 10e temps, ça pousse pour l'instant Taxi Julien. Attention à Shox. Shox ne passera pas en Q3, c'est terminé pour Shox. Fatal. Pareil. Il est en train d'améliorer. Prendre le secteur 1 en violet. À combien il Moi je vais rester sur l'Alpine. Il est en retard dans son secteur de Fatal. Il n'améliore pas. Oh, ça spin pour Taxi Julien. Ah bah ça sera fini. C'est fini pour l'Alpine, malheureusement. Oh mais Fatal vient de passer en plus. Il n'y a que Moustique qui peut faire quelque chose. Est-ce que Moustique va aller chercher l'amélioration pour l'instant? Non, dans le secteur 1, ça reste jaune. C'est le seul qui a une chance de passer. Et peut-être Kamado, j'ai pas vu.
Ah si, Kamado recharge sa batterie, mais est-ce qu'il aura le temps fini. C'est fini. C'est fini. Hein. Oui, c'est fini. Donc il reste que Moustique, pardon. Pour passer. Ah, il va chercher la. Regarde. Regarde l'équipage. L'aspiration. Regarde l'aspiration donnée par le coéquipier Kamado. Mais faut se pousser. Là, il va tirer tout droit. Il va tirer tout droit. Voilà. Ouais. Bien joué. Bien joué. Ça améliore en plus. Secteur 2 pour Moustique. Il faut pas faire pas d'erreur. Là, faut longer le mur. Longer le mur. Voilà. Ça va passer. Et non, ça ne passe pas, malheureusement. Dommage pour Moustique, c'était bien tenté. Une 30-798 au final. À l'arrivée, ça ne passera pas en Q3, malheureusement, comme son coéquipier Kamado. Et Fatal s'en sort plutôt bien. Fatal s'en sort très très bien, et ça reste parce extrêmement que entre Fatal et Kamado, il y a 30 millièmes, il me semble. Hein. Ouais. À peine. C'est dommage hein, pour l'Alpine. C'est très dommage. Je pense qu'il aurait largement eu la chance de passer en Q3. On a Fatal qui a le secteur 1 de prix. Felkos le secteur 2 et Guitens le secteur 3. Et comme quoi qu'on peut faire la pole sans avoir. Enfin, la pole. Prendre le meilleur chrono sans avoir les secteurs. Exactement. Tu l'as très bien dit. C'est justement plus ce que je voulais dire. Tu l'as très bien. Tu l'as très bien. J'en fais pas de trop, c'est très bien comme ça. C'est... Allez, je vais préparer la prédiction tout de suite. Allons-y. Oui. Est-ce que tu veux la pole, la seconde place, la troisième, la quatrième, tu me dis. Eh ben, on va dire la troisième. Allez. Donc, pour cette Q2, nous avons nos éliminés. Kamado, Taxi Julien, Shox, Moustique et Chat Noir. Et donc, on va retrouver... Donc McQueen qui a fait le meilleur temps, les deux Mercedes, les deux premiers ensuite, suivis de Felkos, Guitens, Wizard, Nenel, Isaltar, Cheikh Ismaël, Bastien. Tu vas trop vite. Guitens, Felkos, Guitens, Wizard. Oui. Ok, merci. Je sais qu'il y a Fatal. Bah attends, bah oui, il y a Fatal, il y a Isaltar. Il y a Isaltar. Bah oui, il y a Isaltar. Bah tu les mets tous. Bah oui, je les mets tous, mais il me faut les. Bah oui, bah dis-moi. Bah dis-moi qui c'est que t'as mis là. Bastien, tu l'as mis. Il me manque Nenel, Tchèque, bah, Bastien. Nenel, Tchèque. Bah voilà, mets-les. Il va me casser les pieds. Allez, on commence à jouer dès maintenant. Vous avez deux minutes pour répondre à cette question. Qui sera à la troisième position à la fin de cette qualification? C'est la troisième que nous jouons ce soir. Avant le début de cette course, jouez un maximum. Je veux un maximum de votes. Il y a 10 noms. Je vous les mets à l'écran. Vous avez vu ce qui se passait en Q1, Q2. Qui sera troisième? Votez dès maintenant. Et on saura ça d'ici 12 minutes. Putain, je l'ai même pas, moi, la prédiction. Tu l'as pas, la prédiction? Oh, c'est quoi ce travail? Bah, ça y est, maintenant, on me banne pour plus que je vote. Exactement, bah, depuis qu'on a entendu ce week-end des choses, voilà. Oh là là. Allez, venez voter! C'est dans la prédiction, en haut des commentaires, vous avez le sondage qui vous amène la prédiction. Il vous reste une minute pour répondre à cette question. Voilà, c'est voté. Qui sera dixième, ce troisième, pardon. D'accord. On aurait pu le faire aussi. On aurait pu le faire aussi. Il y a des points de chaîne en jeu. Donc McQueen qui est sorti en premier, je tiens.
Alors, McQueen en premier, tu m'as dit. Hein. Oui. J'étais sur Felkoz, donc je vais me mettre de suite sur McQueen. Qui lance en tour ? Et que font, en attendant, nos... Juju tape la bronzette, puisqu'il ouais. fait beau dans le sud, hein, donc... il a raison. Il, peut, hein. Il a raison. Et Moustique. Alors Jonathan, si tu vois pas la prédit, tu relances le live. Ah bah là, ça va être trop tard, là. Ah. Dépêche-toi, non, c'est terminé. Enfin, bon. Tu vois voilà. Ça râle parce qu'on fait pas de prédiction, et quand on en fait, ils sont même pas là pour voter. Voilà. Voilà. C'était pas de ça, non, Aurel? Pardon? Les grincheux, là. C'était pas oui, oui. Ah oui, non, mais ça, les grincheux. On les a, les grincheux. On en a vu. On en a entendu. Ah oui, c'est fini, surtout le délai de vote. En tout cas, c'est McQueen pour l'instant. Une 29.1. C'est meilleur que tout à l'heure. Hein. Ah oui, là, oui, le meilleur temps, il est tombé. Une 29. On le connaît, le McQueen. Guitant, c'est 29.9. Hein. Ouais. Je crois que c'est... Il a... Oui, il a mieux... Enfin, il a fait mieux que tout à l'heure, il me semble. Oui. Je l'ai plus en tête, mais... Ils étaient en 1.29.5, il me semble, avec... Reda en 29.7. Bah, Reda en 29.6. Il améliore aussi, 29.6. Oh, check. Eh oui. 1.29.7. L'Aston Martin qui roule fort. Bastien est fatal. Fatal qui a fait une erreur sans doute parce qu'en 1.54. Ouh, il y a. Ouh, j'aime beaucoup ces votes là qu'il y a. Oh, il y en a, il a voté fort. Hein. Ah. Je sais pas si c'est pas celui qui m'accompagne pas, tiens. Non, c'est pas lui. 4000 points, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Le jour que tu me verras mettre 4000 points... Oui. Nenel passe quatrième. Salut Béro. Enfin, pas là. Pas ici. Pas comme ça. Tu vois, Jonathan aurait mis Nenel. Salut Béro. Ah, c'est Gad qui a mis 4000. Ah, c'est Gad qui a mis 4000 points sur une personne. Wizard qui rentre. Ils sont tous sortis en même temps, ils vont tous rentrer. À part Fatal, peut-être qu'il peut relancer. Ah non, il a coupé. Il a alors, fait 54 et il a coupé. Oui. Alors, Béro demande où sont les McLaren. Donc, la McLaren de Juju s'est fait découper à son tour de chrono, à son premier tour de chrono en Q3 et Q1. Le réserviste en Q1 pardon et Spanish, le remplaçant de Sony, lui n'est pas passé en Q2, donc les McLaren partent dans les dernières positions. Exactement, et tu vois, j'étais en train de regarder un petit peu les stratégies pneumatiques. Fatal avait des pneus bien usés à 24%, donc je me doute que ça devait être des vieux pneus. Ouais, bah en général tu relances toujours, enfin tu fais ton premier tour de Q2 avec ton premier tour de Q1, ainsi de suite, et si c'est, enfin si tu as bien roulé, en général il te reste même deux trains de pneus en soft. Exactement. On a Bastien qui continue et qui est en tour. Et pour certains, ils ont même plus que ça, parce que pour ceux qui sont qualifiés en médium en Q1, il leur reste 3 jeux de soft. En parlant sans d'alerte, Jonathan,
Normalement, il y a un nouveau sans d'alerte. Je sais pas si vous le voyez, mais normalement, il y en a un nouveau et il s'appelle Onon. Je sais pas si vous le voyez, hein, mais si vous le voyez. Oh, Bastien, oh, Bastien qui spin, spin, oh, et qui casse. Qui casse les lampes. Ah. Oh, 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 oh non, non, oh, oh là, oh, j'ai eu peur. La nique ta mère, la grosse pute. Je croyais qu'elle allait pas s'arrêter. Il marche bien le sans d'alerte, merci. Merci beaucoup. C'est pas du poivron, non. Tu n'as pas reconnu la voix? Allez, je vous laisse deviner. Wizard qui est ressorti. Quelle voix appartient-elle? On va, si vous faites un virement, oh, je vous, oh, le non, dis. Oh, non, non. Tu vas bien? La nique ta mère, la grosse pute! Et là, ça ressort, hein, ça y est, hein, tout le monde ressort. Et le premier, c'est Wizard. Bah, Wizard, faut qu'il. Et oui, Jonathan. Faut qu'il améliore. Hein. Ouais, faut qu'il améliore. Hein. Non, moi, je. Non, boum, badaboum, ce n'est pas moi, je ne m'énerve jamais derrière le volant. C'était bien Reda, bravo Jonathan, c'était bien Reda au Grand Prix de France lors de la saison 2 de la F1 Simulator France dans un de ses lives où il vient à casser. Et donc, voilà, vous avez raté le lancer de plateau à l'époque. Et après ça, on a eu, donc, ben, voilà. On va essayer de vous faire des petits sons d'alerte comme ça avec des morceaux de live et tout pour vraiment... qui nous appartiennent à nous et qu'on puisse changer. Donc, on travaille sur ça. Donc, voilà, on a essayé de voir si ça marche et ça marche. Donc, on va pouvoir continuer à travailler là-dessus. Merci, en tout cas. Oui, ça fait cher, mais bon, voilà. Il faut. Mais on, pour la F1SF, on ne compte pas. On ne compte pas pour la F1SF. Et surtout pour ce qu'on entend, quoi. Donc, oui, ça peut faire cher, mais voilà. Tu verras ça nulle part ailleurs. Enfin, salut, entendre people. Ça nulle part ailleurs. Ouais, ça c'est sûr, on l'entendra qu'une fois et ça sera ici. Mais vous inquiétez pas, on travaille aussi pour que vous puissiez entendre un petit peu du poivron. Ça aussi, on va y travailler. Bon, Wizard qui a lancé, hein, parce que lui, il faut qu'il nous sorte un gros gros chrono s'il veut pas partir de très loin. Ouais, on est sûr. Le secteur 1 appartient à McQueen qui est en 32-472. Et Wizard, qui améliore, qui prend le secteur 1 de 22 millièmes d'avance. Bon, moi j'annonce un truc, c'est que je me mets sur Guitance parce que j'ai voté Guitance. Donc, qu'il me fasse une grosse amélioration. Sinon, il va entendre parler le commissaire. Et t'inquiète pas, boum badaboum. C'est bien de celle-là qu'on parlait. Ouh, ça attaque sévère pour Guitant, ça. Wizard aussi, quand même. Parce que là, maintenant, McQueen est en... Oh, ça améliore. Ça améliore fortement pour Wizard, qui va chercher le meilleur temps, certainement. C'est même sûr. Exactement, oui. Jonathan. Attention, le passage de la ligne pour Wizard. 1.29.0.64. Voilà. Oh, ça relance tout. Ouais, mais non, n'oublie pas. 5 places de pénalité. Non, mais pour la prédiction, moi, je parle. Ah oui, pour la prédiction, monsieur, oui. Tout à fait, ça relance tout. Mais c'est très bien. Et puis le cause. Le rejoint. Oui, les Ferrari sont revenus dans la bataille. Là, les McLaren, ils ont intérêt à y aller. Hein. Là, je suis sur McQueen, il va lancer son tour. Les Mercedes, pardon. Oh là là, il faut que je le reprenne à chaque fois. C'est... Ouais, là, y... c'est ça qu'on est, c'est ça quand on est second, hein. On se fait reprendre. C'est là qu'on reconnaît le chef et le petit... Le petit matelot. Le petit sous-chef.
Hein, le chef commissaire. Oh, très 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 sous-chef. Ah oui. Ah, mais avec le chef commissaire, on peut rien dire. Ah, je suis, par contre, je suis chef commissaire, oui. Ça, ah, je... Oui, oui, à ça. Ça, je le maintiens fort et haut. Haut et fort. Ah, oui, oui, à ça. Check voilà, Ismaël, le disqualification contre sens. Ah, ben ça, c'est ballot. Alors, ceux qui ont voté check, c'est dommage ballot. Pour eux. Fatal, 8ème temps. C'est terminé pour Fatal. Bah, c'est terminé pour Guitant, ça aussi, je crois. Je pense pas qu'il puisse relancer. Ouais, il est en train de ramer. Ça va être terminé. Reda qui va arriver sur la ligne avec un temps annulé. McQueen. Est-ce qu'il est en train d'améliorer? Il est en train d'améliorer. Les attaques n'a pas encore fait de tour. Il lance son premier. Enfin, il est dans son premier tour. Faut pas se louper. Ça améliore fort là pour McQueen. Ça va aller chercher les 1.28. Je t'annonce. Oh, ça passe. 1.28.990. Il passe devant les Ferrari. Isaltar. Oh, Isaltar, c'est chaud, hein. Oh, ça coupe pour Nenel. Il a perdu sa monoplace à la fin. Ça va peut-être pas améliorer pour Isaltar. Peut-être un peu légèrement. Oh, c'est oui, quatrième Isaltar. Il pousserait là. Je l'avais annoncé. J'ai dit c'était chaud. Oui, il attaquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, ben tiens. Oh. Eh ben, Gadgat, il a réussi son pari. Bravo, Gadgat. Il avait misé 4000 points de chaîne sur Felkoz. C'est Felkoz qui termine troisième. Donc, il remporte 6000 points de chaîne. Bravo. Ouais, bah. Moi, tant que c'est pas le leader qui gagne, je suis bon à rien. On a pu assister encore une fois à une qualification extrêmement serrée, puisqu'ils sont tous dans les 1.29, on peut le voir. Seulement un a réussi à passer sous la barre des 1.28, mais vraiment extrêmement serré. Et donc, Wizard qui va redescendre 7ème. Ah ben oui. Et je me souviens plus où est-ce que... Bastien aussi, de la 9ème place, il va prendre Bastien, la 14ème. Donc, mais bon, c'est bon pour Tchèque qui va remonter, et puis Guitance et puis Reda qui vont remonter aussi. Nenel aussi. Exactement. Du coup. Allez, ne bougez pas, on revient d'ici. Pardon, excuse-moi. Non, non. Je voulais dire. Pas de mal. Alors, je voulais dire, on revient d'ici quelques minutes, ne bougez pas. Ça sera pour le lancement de cette course. Et on se dit à tout de suite. Bienvenue sur notre live de la F1SF. La F1 Simulator France, c'est un groupe créé en janvier 2021 avec pour objectif de se rapprocher au plus près du monde réel de la F1. Aussi, la simulation reste le maître mot. Pour ce faire, tous nos pilotes ont l'obligation d'être au volant avec un passage des rapports de vitesse manuel uniquement. Cette cinquième saison, quatre groupes sont représentés. Le groupe Simu d'abord, roule le lundi soir à 21h. Comme son nom l'indique, il est full simulation et les pilotes n'ont aucune aide à la conduite. Le groupe expert roule le mardi soir à 21h. Il s'agit de pilotes expérimentés qui ont uniquement droit à la trajectoire dans les virages. Toutes les autres aides sont désactivées. Le groupe arcade roule le mercredi soir à 21h. Il s'agit de pilotes méritants qui ont droit à l'ABS, à la trajectoire dans les virages ainsi qu'à l'anti-patinage en intermédiaire. Enfin, le groupe WSF roule un jeudi sur deux à 21h. Il est composé à 100% de féminines, prêtes à tout pour en découdre. Vous souhaitez rejoindre l'aventure? La porte est grande ouverte. Nous recrutons des pilotes de tous niveaux et avons toujours besoin d'en avoir sous le coude pour remplacer nos éventuels absents. Alors pour piloter dans notre championnat, rejoignez notre groupe Facebook en tapant F1 Simulator France dans la barre de recherche. Le nom d'un administrateur vous sera alors communiqué afin que vous puissiez le contacter. Pour finir, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos lives et merci encore. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et Twitch en tapant dans la barre de recherche F1 Simulator France. Vous recevrez ainsi toutes les notifications de live et ne raterez aucun départ.
Vos vues, c'est également ce qui nous permet de nous améliorer dans nos diffusions et de vous apporter du contenu toujours plus sensationnel. Alors, merci à tous, pilotes, administration et viewers. Nous vous souhaitons une très bonne course et rendez-vous au premier virage. Bonsoir à tous, c'est Maître Poivron. Ce soir, on se retrouve à Suzuka, au Japon, sur l'île de Honshu, plus précisément. C'est un tracé de 5 km, 807 mètres, comportant 18 virages, 10 à droite, 8 à gauche. Le record du tour est détenu par Sébastien Vettel en 1:27 secondes et 0,64 millième. Je me retrouve ce soir au volant de la Ferrari F2002, développée par le célèbre Ross Brawn. Cette monoplace a couru lors de 2 saisons, en partie. En 2002, elle a fait 15 courses, 14 victoires, 8 pôles et 12 meilleurs tours. Lors de la saison 2003, elle a fait 4 courses, 1 victoire, 3 pôles et 3 meilleurs. Au volant de cette monoplace, Michael Schumacher, 10 victoires, 15 podiums, champion. Pierre Place, deuxième. Deuxième pilote, Rubens Barrichello, 4 victoires, 10 podiums, deuxième du classement général. Côté technique, cette monoplace est équipée d'un moteur Ferrari B10 de 855 chevaux, une boîte 7 rapports pour un poids de 600 kg. Et merci d'avoir suivi cette nouvelle archive à bord de la voiture du Kaiser. On se retrouve pour une autre archive un autre soir. Et ciao la bise! Quel doux son dans l'oreille qu'on a pu entendre. Le V10, monstrueux de la Formule 1. Ah, c'était le... Ah. Bref, passons. Ils sont prêts à prendre la piste. On va tout de suite aller les rejoindre, nos amis pilotes. Très très bon poivron, nous dit Jonathan. Exactement, merci encore poivron pour ces archives. Et sur des monoplaces différentes. Et surtout, on revient un petit peu en arrière avec ces archives. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir d'entendre ces doux bruits. Voilà. Il manquait juste le petit mot pour le pauvre Jules, bien évidemment. On pense fortement à notre ami Jules Bianchi. Ils n'ont pas l'air de vouloir y aller. Ils sont en retard, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais ça grisille, ça grisille. Oula, pardon. C'est assez gris quand même, les nuages, hein, j'ai l'impression. Il n'y aura pas quand même un peu de pluie en fin de course. Bah écoute, j'aimerais Zatar, tellement. Nous a dit Zatar qu'il n'y aurait pas trop de pluie, donc... Il y aurait un bug de session. Ah, c'est-à-dire... Bonsoir Kamado, check fait... Bug. Alors, faut qu'il quitte. Je vais m'en occuper. D'accord. Ah, ça y est, Cheikh Ismaël a quitté la session. Ah. Est-ce que ça va mieux? Ça n'a pas l'air. Moi, ça rame toujours. On est tous figés. Sur la grille de départ, toujours. Bon, eh bien, on va devoir relancer. Bon, alors, attends, parce que je vais essayer de faire quelque chose de bien. Alors, il nous faudrait les classements, bien évidemment.
Allez, on va relancer ça. Ne bougez pas. On en a pour deux petites minutes. Et puis, on revient d'ici quelques instants. Ne bougez pas. Mieux, hop. Tu m'entends là? Ouais, là c'est bon, je t'entends. Ouais. Par contre, je vais pas voir les autres, je crois. Les deux autres. Alors, déjà, on va commencer. Attends, je suis pas du tout au bon endroit, c'est génial. Hop. Alors, on a vu que c'était légèrement nuageux mais sec, donc on va leur laisser comme ça. Éditeur de grille, on va recevoir donc McQueen en première position. Wizard qui partira à la 7ème, donc ce qui veut dire que Felkoz sera 2ème. Où est Felkoz? Ah bah attends, je vais t'avoir... Ah attends, si... C'est combien de temps? C'est 18 minutes. Okay. Felkoz 2ème, 3ème on retrouve Isaltar. Ça c'est la Q2. Quatrième, ça sera Reda. La Q1. La fin de Q1. Hop. Allez, donne la fin de Q1. Cinquième place, on retrouvera Guitance.
Sixième, ça sera Nenel. Septième place, donc on a dit Wizard. Non. J'ai dit quoi ? Nenel, il est... Après. Donc là, il faut échanger avec Guitance. Voilà. Wizard, ok. Fatal, huitième. Fatal, où est-il ? Il est là. Fatal, huitième. Ensuite, nous avons... Check. À la 9e place. Et si tu as le top 20. T'en es où là? À la 10e place. Donc à Taxi Julien. 10e place, Taxi Julien, ok. Attends. J'attends. Qualif 1. Alors là, c'est la qualif 1. Donc toi, c'est la 2 que tu veux. Oui. C'est ça? Oui. Attends, j'ai donné ça. J'ai donné la 2. Alors, hop, 5 minutes. Q2, alors, je peux déjà, si je me rappelle bien, juste partir à 20e. Ensuite, on aura Spanish 19. Hop. Ensuite, bon, ça c'est fait. Alors, la Q2. Alors, 9e, alors, check, 10e, Taxi Julien, 11e. Kamado. Kamado. 12e, Taxi Julien. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Alors, attends. Kamado. Donc, on a dit 10e. Taxi Julien. Taxi Julien. Donc, combien tu m'as dit ? 10e. 10e, ouais, 10e. Attends, 10e, attends. Alors, 10e. Ouais, je me suis planté, je crois. Attends, bouge pas, je vais. Je suis bête. Et oui, 10e, non, il faut que tu me dises en Q2 qui c'est qui est 11e. Oui, c'est Kamado. Kamado, donc ok. Ensuite, 12e, Taxi Julien. Ok. 13e, Shox. Attends, mais j'ai un problème. Pourquoi ? Avec les 5 places. Kamado 10e. 11e, Taxi Julien. Non, moi j'ai 11e, Taxi Kamado, moi. Ah, mais ça, c'est okay. Avec les 5 places. Non, Kamado, il a pas pris les 5 places. D'accord. Non, mais. Comme tu me dis que t'avais pas. 10e, Taxi Julien. 11e, Kamado. Non. Bah non, parce que moi, Taxi Julien, moi je. Bah je sais pas. Bah. Qui était 11e? Là en Q2, qui était 11e pour toi? Kamado. Ok, donc Taxi Julien partira 11e. 12e, on retrouvera. Faut que tu sautes une place puisque c'est Bastien qui fout le bordel. Ah, Bastien, du coup, Kamado. 14e. Du coup, Kamado. Ok. De quoi t'as Kamado? Bah, si à chaque fois on saute d'une place, si Taxi Julien est 11e. Attends. Taxi Julien, tu m'as dit tout à l'heure qu'il était. Il est combien en Q2 là, Taxi Julien? Bah là en Q2 il est 12e là. Ok, donc il passe 11e. Qui était 11e? Kamado. Alors il est 10e. Ok, maintenant qui était 13e? Donc Shox, il passe 12. Ok. 13e. Ouais, alors Moustique passe 13. Ok. 14, on retrouve Bastien avec sa pénalité. C'est ça. C'est ça. Donc 15e, il nous manque juste le dernier, 15e. 15e, donc attends, je te donne ça, lecture. Je crois que ça doit être Chat Noir ou. Chat Noir ou Tom. Parce que The Prodigy partait 16e, je crois. Ou 17. Chat Noir. Chat Noir. 15, Chat Noir. 16e, on retrouve. 16e, bah ça je te l'ai envoyé ça. Ah. Non, je te l'ai pas envoyé. Non, attends, autant pour moi. Tu me l'as pas envoyé. Non, autant pour moi. Donc 16e, il faut que je refasse à la Q1. À la fin de Q1. On va y arriver.
Fin de Q1, donc 16e, tu m'as dit? Oui. Ce serait pas du make-ups? Ah bah, c'est toi qui me dis. Attends. Il me semble. Hein. Alors, donc, 17e. Alors, c'est le 16e que tu veux, hein? Oui, 16e. Make-ups. Ok, 17. Prodigy. Ok, 18. Tom. Tom. Spanish. 19, Spanish. Et Juju. Juju. C'est ça. Allez, c'est parti. Attends, je m'enlève de tout ça, là. Hop, oh non, quitter la session. Non. Voilà. C'est parti, messieurs, vous pouvez lancer. On est prêt. La météo était légèrement. Hop là. Tout est prêt. Tu l'as mis le go? Je l'aurais pas mis le go. Attends, j'y vais. J'y vais, ça y est, c'est fait. On y va. Bon, bah, parfait. Donc, je reprends le live. Allez. Allez, ils sont prêts, ils sont chauds. On va repartir sur le tour de formation avec ces pilotes. Si vous voulez un petit rappel quand même, n'oubliez pas ça. Voilà. Ça s'est passé en karting, donc en qualité réelle, si je puis dire. Voilà. Le meilleur temps du circuit, hein, en 50. Voilà, merci. Au revoir. Gros bisous. Enfin, au revoir McQueen, hein. Allez, on va leur laisser 2 minutes là, le temps de leur de préparer leur petit setup, bien évidemment. Et en attendant, on va faire un petit point sur les résultats. Où est-ce que je vais la voir? Classement pilote, peut-être là. Oui, je l'ai. Hop. Ah, 30 secondes. Isalta a quitté la session. Tiens. Ça commence, voilà. On refera pas hein, de trucs, donc vous vous débrouillez. Shox est en tête avec 129 points, Felcoz avec 121, McQueen avec 114 points est à la 3ème place, Wizard à la 4ème place avec 107 points. On retrouve Reda avec 105 points, Nenel, 6ème, n'a pas bougé. Est avec 79 points. Ensuite, nous retrouvons The Prodigy avec 78 points. Moustique avec 74. Check Ismail avec 60 points. Bastien avec 58. Isaltar avec 51 points. Guitance avec 49 points. Juju RM avec 48. Makeups 36 points. Tom 31. Chat Noir égalité 16e. 17e, on retrouve Kamado avec 25 points. Taxi Julien 18 points, et 18e place. Fatal Gaming est à la 19e place avec 17 points. Et Sony 20e avec 12 points. Allez! Qu'est-ce qui se passe donc? Ils ont pas lancé? Je n'avais pas vu le timer? Ben oui, mais il y en a eu plusieurs. C'est reparti à zéro, c'est revenu. Isolta a rejoint. Lobby bug de nouveau, mais c'est pas possible. Ah. Alors là, on a un problème. Non, mais là, c'est pas possible. Ah, voilà. Tom a quitté la session. Eh ben, je vais relancer une... Non, bouge pas. Regarde, c'est parti. Le tour de formation est lancé. Ah. Oui. Non, mais pour Tom. Tom a quitté la session. Donc je renvoie une... Ah oui, une invitation, oui. Pas de soucis. No problem. Il y a du hard, il y a du médium. En tout cas, les deux hommes de tête, McQueen et Felcoz, partiront en hard. Isaltar partira en médium. Reda, Guitance partiront en hard. On retrouve Nenel avec des médiums. Wizard sera en hard. Fatal partira en médium. Nous retrouvons Check Ismail avec des hard. Kamado et Taxi Julien seront en médium. On retrouve Shox avec des hards, on retrouve Moustique avec des médiums. Et là, il y a pas mal de médiums. Bastien, Chat Noir, Makeups, The Prodigy
Tom Spanish-Hard. Et pour terminer la grille, à la 20e place, on retrouve Juju RM avec des médiums. Je me rappelle plus, mais je vais essayer de voir. Non, je vais pas voir. Je peux pas voir. Il me semble que c'est pour notre 521. Je me souviens plus. Nième Grand Prix au sein de F1 Simulator France. Que on va découvrir. La météo, vous l'avez vu, hein, c'était ensoleillé mais nuageux. Donc on aura remis ensoleillé, nuageux. Ça sera sur du sec qui vont venir à se dérouler ce soir en tout cas. Le placement de grille pour les pilotes de tête se fait maintenant. On va vous inviter à monter le volume. Et rendez-vous au premier virage. Et rendez-vous au premier virage. Bon départ de Juju. Oh, l'Alpine qui vient à spinner. L'Alpine qui vient à spinner dans le premier virage. Malheureusement, elle a été embarquée, je crois, par l'arrière. Isaltar et Tom, mais c'est terminé. Hein. Oui. Malheureusement, il peut pas prendre le contrôle. Par contre, Juju fait une grosse remontée de 8 places déjà. Ah ouais. Monstrueuse. Il y a tout le monde qui a gagné la place, sauf Fatal qui a perdu 2 places. Taxi Julien, Chat Noir et Guitens qui ont perdu des places. Guitens en a perdu 13 malheureusement, suite je pense à l'Alpine hein, qu'on a vu glisser. Allez, le petit train se forme pour l'instant. Hop, on va essayer de mettre la carte, voilà. On va me la demander. Ouh, Moustique qui est parti en spin. Ouais, Moustique est parti en spin. Et Zeltar, ça sert à rien de rejoindre. Hein. La disqualification a été donnée. Malheureusement. Et Reda qui a remonté à la troisième position. Ouh, ça se tape. Ouh là là, le dernier virage. Ouh là 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 là, Mac. Bastien qui a tout perdu. Que Bastien a tout perdu. Ça pite pour Juju. Ouh, je crois qu'il y a eu un accrochage. Si ouais, c'est possible. Ah ouais, ça change l'élan. Ah, dommage pour Juju, lui qui avait fait une très grosse remontée. Ça change l'élan, malheureusement, pour Juju. Avec 7 secondes 4 d'immobilisation. Le devant, Pelkos qui reste assez proche avec Reda de McQueen. Derrière, nous avons Kamado qui suit. Il a la guigne, Juju fait chier. Mais qu'est-ce qui a pu se passer, malheureusement? Non, c'est vrai que là, c'est vraiment pas de chance hein, d'avoir fait un de si bons départs. Et ouais, puis pour, de... malheureusement rien. Ouais. Là, je peux comprendre la frustration du pilote. Ah, ça, c'est sûr. Guitens. Guitens est à l'attaque derrière Fatal. On voit les arrêts. Hein. Fatal, Guitens, Chat Noir. Là, les trois, ils sont vraiment l'un dans l'autre. Hein. Ouais, tout à fait.
Kamado qui se rapproche de Wizard. Et Wizard de Nenel. On a les deux Williams qui sont encore bien placés. Hein. Bah, je te dirais comme chaque lundi. Hein. Exactement. Prodigy qui est passé sur check. Et check qui a pas dit son dernier mot. Hein, parce qu'il se rapproche dans les S. Kamado Wizard, qu'est-ce que ça dit? Ça se rapproche, hein. Tranquillement pour Kamado. Oh, il y a un drapeau. C'est Fatal. C'est Fatal qui a tout perdu. C'est Fatal, malheureusement, qui a perdu sa monoplace. Moi, j'étais dessus il y a 5 secondes, j'ai pas vu. Du coup, ça libère la place pour Guitance. Du coup, maintenant qu'il a le champ libre pour aller chercher Taxi Julien, enfin son coéquipier, hein. Il va peut-être pas aller le chercher, mais ils vont peut-être jouer la passe tous les deux. Ouais, mais on voit que Taxi Julien a l'air de bientôt rentrer dans les échappements de Makeups. Le meilleur tour effectué par Kamado. Kamado qui a l'air d'envoyer là. Et oui, ça envoie parce que ça va peut-être passer sur Wizard. Ça passe. Ça Prodigy passe qui se rapproche de Shox. Ça passe à l'intérieur. Il y a eu un contact. Et Shox qui est parti un peu large. The Prodigy. Non, ah oui, les deux se. Oh la vache. Ouais, ouais. C'est. Oh la vache. Enfin, ça laisse pas beaucoup de place. Hein. Ah, c'est passé, mais. Waouh. De justesse, Wizard n'a pas perdu de position. Il a réussi à la maintenir avec Nenel qui s'est engouffré. C'était pas Shox, pardon. Excusez-moi, je lisais le classement à l'envers. Et Guitance qui est bien revenu dans les échappements de son coéquipier. Oui. Et Chat Noir qui est toujours derrière, ouais, à l'affût d'une erreur de l'un des deux. Et Shox à l'arrière de The Prodigy. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de nous le dire. Là. Check, hein, qui est très loin de Shox, hein, quand même. Hein. Ouais, il a un petit gap Shox, mais il est en train de, je pense, d'attaquer. Hein. Ouais, je pense que Shox va prendre sa revanche là. Il y a eu pas mal de sort très bien. Beaucoup de vitesse de pointe hein, chez la Red Bull. Ouais, pas mal. Et Shox qui retarde son freinage qui lui permet de recoller. Ouais, mais tu vois, pour moi, Shox a beaucoup plus d'appui que la Red Bull et du coup s'en sort mieux dans les virages, tu vois. Ouais. Il a des dégâts, le Viking, parce qu'il a zéro rythme. Mais écoute, il est passé par la voie des stands il avait l'aileron de cassé qu'il a changé. Je ne sais pas s'il a des dégâts. Et là, il est en hard. Je ne pense pas qu'il ait des dégâts. Par contre, Reda est loin de Felkoz. Hein. Felkoz a fait un gap sur Reda. Ouais, et Felkoz remonte fort hein, sur Mako. Et Wizard, pareil, hein, revient sur Reda. Hein. Nenel va taquiner Wizard. Nos deux Belges vont se vont se batailler. Comme Guitance, il y a le petit train Makeups. Hein. Il y a un petit train Makeups. C'est 4. Oh, ça se décale pour Chat Noir dans les rétros à mettre la pression sur l'Alpine de Guitance. Et ça y est, il est collé Guitance à son coéquipier. Le DRS va s'ouvrir pour les deux. Qu'est-ce qu'il va se dire? Oui,
Il y a un passement d'armes chez, chez les Alpines. On laisse passer Guitance pour Taxi Julien. Et Kamado revient dans les échappements de Nenel. Ça a bouffé de la batterie hein, chez la As. Ou ça sort large pour ouais. Nenel. Ouais, Nenel, il y a une petite erreur qui a été faite. Attention. Ouais, encore une erreur pour Nenel qui freine un peu tardivement et qui bloque les roues pour partir un peu tout droit dans le virage. Et il est dur ce virage. C'est très très dur. C'est tout le circuit qui est dur. Ça va, ça va. J'en fais tout le monde encore. That's for all the kids out there who dream the impossible. Je reviens sur mes caps et mes caps n'a plus de batterie, ça clignote. Ouais, Guitance, il met la pression là. Certainement qu'avec le DRS ça va passer, il faut qu'il reste collé comme ça. En tout cas, ça ouais, se bataille qu'il... les meilleurs tours devant. Ça se montre dans les rétros. Ouais, mais Caps il a plus rien. Ça ressort bien pour Guitance. Ça ressort même très très bien. Puis là, passer. Oui, ça va y aller. Ça, va ah, ouais, ça dragonise passer. Un peu, mais ça va passer. Oh, ça, ça il va aller, chercher voilà. L'intérieur. Il va oui. Chercher l'intérieur sur Makeups. Beau dépassement. Et maintenant, c'est Taxi Julien qui se présente derrière l'AlphaTauri. Alors que Guitance est en hard, hein. Faut le rappeler. Ouais. Et Chenoir qui suit ça de très très près. Les hard prendraient pas le dessus sur les médiums. Mais tour 7, ça commence. Hein. Oui. Bien sûr que les médiums vont commencer à fatiguer. On a vu l'ouverture du pit stop. Hein. C'était à partir de 12 tours pour les médiums. Où ça commençait à devoir passer par la voie des stands. Donc, bout de 7 tours, oui, forcément. Pour Chen. Ah, bon, excuse-moi. Je me mute deux secondes. Donc, Makeups. Donc, Guitance. Donc, Kamado qui va aller chercher Nenel. Ouh, ça ferait tard. Ouh, ça a failli la perdre pour Nenel. Ça met la pression Kamado sur Nenel. C'est même mieux ressorti. Ça va le prendre DRS. Et voilà. Kamado qui gagne une place. Et mais c'est pas fini, Nenel qui donne pas son dernier mot. Ça reste tranquillement derrière. On ne rigole pas, madame. Salut Aurel, bonsoir tout le monde. Salut. Donc là, pour te remettre dans le bain, Kamado vient de passer Nenel. Ok. Ok, très bien. Alors, Kamado, il est où? Donc Kamado, il est P5. Ouais, bah, faut regarder le live, madame. Faut regarder le live. Oh, j'étais calé en plus là. Bon, bref. Ah, ouais, ouais, mais... Voilà, oh, on a nos moutons. C'était. Chat noir qui vient de tout perdre. Ah, ouais. Par contre, j'ai pas vu du coup s'il y avait contact ou pas. Coucou Jo. Et salut tout le monde du coup. Par contre, Felcoz il est proche de McQueen là. Bah, 9 dixième. Ça fait un moment qu'ils suivent là. Ah oui, depuis le début. Vas-y, raconte-moi. Guitance qui vient de passer sur Click Ismail. Donc, Guitance. Ouais, Guitance qui remonte, hein, parce que lui qui avait tout perdu dans les premiers virages, là, il remonte très, très, très fort. C'est là que les pneus hard commencent à faire leur. Leur job. Qui commencent à reprendre le grip sur les médiums.
Ou qui c'est qui est dans le mur? Shox, Shox qui perd tout. Bon, il a pas de dégâts heureusement, mais effectivement, grosse perte sur cette action. Oh, hop, il la perd encore. Oh là 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 là. Spanish qui arrive derrière justement. Va-t-il en profiter? Le réserviste. Première fois qu'il roule ce réserviste. Juju, qu'est-ce qu'il fait aussi loin? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Juju, déjà il a cassé en Q1. Donc il est parti 19e ou 20e et qui a fait un excellent départ parce que après les S, s'est retrouvé 13e, je crois. Et dans le dernier secteur, je sais pas ce qui s'est passé, mais qu'il a tout perdu. Il a même perdu l'aileron, tout. Du coup, il a dû piter pour changer d'aileron. Et du coup, il a tout perdu. D'accord. On a Taxi Julien qui est proche de Makeups. Chirpi du Japon, Reda est pour l'instant 3ème. Oui, l'empereur du Japon. Secteur 3. Ah là là, c'est Chat Noir qui perd sa monoplace. Et qui rentre au stand. Il rentre au stand, Chat Noir, oui. Et Moustique aussi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux? Je sais pas du tout, je n'étais pas dessus. Ça change d'aileron pour Moustique. C'est pas pour Chat Noir, mais pour... Alors, pour Chat Noir, je vais te dire ça tout de suite. Ça change l'aileron également. Non, ça change pas d'aileron. Non, ça trace. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, peut-être qu'il y a eu quelque chose... Mais dans tout ça, qui... oui. Juju est passé devant eux. Donc, pour le moment... Le Viking qui avait vieilli ce week-end... Qui s'est assagi ce week-end, il a pas vieilli, ça vieillit pas les Vikings. Remarque, ça s'assagit pas non plus. Non. Oh, The Prodigy qui arrive derrière Nenel, enfin on va avoir une bataille. Kamado, Nenel, The Prodigy, Felkos qui vient de prendre le meilleur temps sur McQueen. Ah oui, là. Et ça rentre au stand pour Kamado. Est-ce que Prodigy va aller choper du néné? Non, trop loin là. Peut-être au prochain tour. Et les deux sont en médium. Et Wizard s'est très bien rapproché de Reda. Kamado, il ressort loin, hein. Il ressort 14e, 15e. Ouais, il ressort 15e, Kamado. Et là, Wizard est très très près de Reda. Secondes de pénalité pour Fatal. Il a un bon rythme Reda quand même, parce qu'on voit que Wizard il a du mal. Il le rattrape uniquement dans les virages, et là où il doit être content, c'est qu'il a le DRS juste en suivant. Mais Reda n'a pratiquement plus de batterie. Mais il a plus de batterie du tout. Parce que ça clignote. Et Nenel, Prodigy qui rentre au stand. Derrière, ça continue. Et la Guitance qui est là. La Guitance qu'on a rencontrée ce week-end. Ah oui. Il y a toujours le smile. Oh, ça pite pour Makeup, c'est Taxi Julien également. Wizard, alors, est-ce que ça va attendre pour Wizard ou est-ce que ça va aller le chercher dans l'épingle? Oh, safety car. Safety car pourquoi? Safety car pourquoi?
Tu vois rien, tu vois quelque chose? Non, 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 moi non plus, je ne vois rien. Mais pourquoi? Alors là. Les Altar et Tom, ils avaient fini, hein. Ils étaient déjà pris. Ah ouais, ils ont été disqualifiés dès le début. Là. Eh bien, je pense qu'on assiste encore à un bug. Du coup, ça pite pour McQueen. Alors, Felcoz est premier. Ah, bah oui, comme ils sont premiers dans les stands. Et Wizard et Reda aussi, ils pitent. Ouais, mais la safety car. Pourquoi il y a eu safety car? Par contre, si elle dure trop longtemps, va falloir faire quelque chose. Bon, Guitan, Shaq Ismaël qui pite aussi, Shox aussi. Spanish aussi, Bastien aussi, Fatal aussi, Prodigitrace, bah oui, il vient d'y passer. Kamado y trace aussi. Nenel Pit. Extrêmement bizarre cette safety car. Et salut Zlatanou, pardon. Salut Nirina, allez Juju. Est-ce qu'il n'y a pas eu un aileron de cassé, mais j'y crois pas beaucoup. Ah, il y en a un qui purge ses 5 secondes, tiens. Regarde dans le directeur de course si ça te dit que quelqu'un change l'aileron. Alors, pourquoi ça peut pas me mettre le directeur de course? C'est mieux. Non, non, ça marche. Tac 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 tac. Donc arrêt au stand, aileron avant, aileron avant. On est à quel tour? 12, hein, c'est ça, hein? Oui, 13 même. Mais oui, donc Nenel a changé son aileron autour 12. Et il y a un problème parce qu'il a rechaussé des hards. Pourquoi a-t-il rechaussé des hards? Tiens, 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 plutôt bizarre ça. Tu le vois en quoi, Nenel, là? Je le vois en hard, effectivement. Et puis avant, moi, je l'avais vu en médium, moi, justement. Et là, il m'a mis hard, hard. Donc, Nenel, ouais, c'est bizarre. Bon, enfin, bref. Ça se trouve, j'ai fait bugger la session en arrivant. Vous avez pas eu un bug de session, en plus, juste... Si, si. Quand vous avez lancé. Bon, j'ai fait une capture d'écran, moi. Ouais, t'as bien comme fait. Ça. T'as enfin, là, Guitan se rend au standard, donc il va nous mettre tout dedans, ce petit. Chez Kismay nous dit qu'il a oublié ses réglages, la galère. Ah, donc, t'oublies pas de ne pas te mettre en IA pour écrire dans le live, ça va. Je lui dis à chaque fois, il arrive à écrire en roulant. Je sais pas comment il fait. Mais... Je sais pas, parce que là, il chauffe ses pneus, donc c'est bien lui qui est aux commandes. Bon, logiquement, il ne manque que Nenel qui sort du stand. Des stands. Hein? Nenel qui sort des stands? Ouais. On doit pas être dans la même. Parce que moi, je le vois pas sortir dans les stands. Il est en quoi pour toi, là? Hard ou médium? Ah oui, il est dans les stands. Oui, autant pour moi. Moi, il est sorti déjà hein, depuis. Oui, hein. Oui, moi je le vois, il rattrape. Il est fin secteur 1. Là, il rattrape le. Ouais, voilà. Ok, alors tu m'as fait peur. Non, mais c'est moi qui. Il est bien en médium, hein. Attends, je vais aller voir. Je vais directement sur lui. Et pourquoi il double le GG? Oula, oui. Oh, tranquille, Nenel, tranquille, calme-toi. Ouais, et je le vois en médium. Il n'est pas. Make-up, c'est.
pourquoi j'ai une AlphaTauri qui laisse passer Make-up, s'il s'est planté un petit peu, je crois. D'accord. Et pourquoi... Non, jouez pas au... Ils font n'importe quoi sur cette fin, ouais. Non, mais il suffit que le jeu leur dise de doubler le pilote devant, oui. Et eux vont le faire, tu sais. Des fois... Ah, voilà, la voiture qui rentre. La safety car, elle rentre. Allez, on va voir la relance de McQueen, on va se mettre sur Felcoz. Voir s'il se fait endormir ou pas. Le Felcouné. Moi, je me mets sur Nenel, là. Qu'on est à la moitié de la course. Ouais. Et il s'est pas fait endormir, hein, le Felcoz. À 3 dixièmes, par contre, Reda a pris direct une seconde. Wizard est dans ses échauffements de suite. Nenel qui va attaquer notre Viking. Bastien qui a perdu la monoplace. Guitance qui passe sur Taxi Julien. Il est où le Viking? Il est là. Mais il a gardé sa place. Attends, parce que j'ai Wizard sur Reda. Fatal qui a perdu une place. Bastien sur Taxi Julien. Kamado. Check sur Kamado. Ouh, Isnenel qui vient de pousser le Juju. Allègrement pour passer. C'est bien, Nenel, bravo. C'est du très propre, ça. On passe à l'intérieur. Oh, Wizard qui va sûrement aller chercher. Juju à la réaxel qui va aller choper Make-ups. Joli le Viking. Ouais, ça va lui faire du bien, ça, Juju, la safety car. Ah, j'ai l'impression qu'il revit là. Il est juste un peu dans du monde, donc c'est un peu compliqué pour lui, mais. Mais sa hauteur, j'ai l'impression qu'elle a une bonne aéro. Elle arrive à les tenir. On a Bastien et Nenel qui étaient à côté. Juju qui profite du dépassement de Nenel pour dépasser Bastien. Joli Juju. Deuxième dépassement. Allez Juju, la remontada. La remontada du Viking. Et là, Wizard qui est toujours derrière Reda. Reda toujours derrière. Oh, ça glisse pour Felcoz. Ça glisse pour Felcoz. Felcoz dans le mur. Oh, il est dans le mur, ouais. Ah, il a Je crois qu'il a cassé l'aileron. Le flap droit, ouais. Il a cassé le flap droit. Du coup, les flèches d'argent 1 et 2. Oh là là, le doublé Mercedes. Est-ce que ce sera pour ce soir? Oh, la Alfa Romeo qui perd tout, la chat noir. Chat noir qu'on a vu en perdition. Il y a du monde qui arrive derrière. Oh, j'ai eu peur pour Bastien. Devant, il y a toujours du grabuge entre Nenel et Taxi Julien. Nenel qui passe à l'intérieur sur Taxi Julien. C'était joli. Juju derrière, qui veut en profiter pour passer également sur Taxi Julien. Et ça passe pour Juju. C'est bien le Viking. Ça c'est top. DRS activé ce tour. Allez mon Juju, trace. J'ai l'impression que Nenel est ouvreur pour Juju. C'est-à-dire que Nenel passe et Juju profite du dépassement de Nenel pour y aller. Très propre ça. Et bah, Felcoz, il a raison. Au stand. Justement. Et là, on peut dire que Felcoz, il a tout perdu. Bah là, il reste 10 tours. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre, Felcoz? Oh, les softs. Est-ce qu'il va tenter les softs? Bah, j'aurais tenté les softs, oui. Sur le Japon, faut juste savoir les maîtriser. Et lui, il a mis les médiums. Ça va, en vrai, il n'y a que ici où tout bug. Non, mais en fait, il y avait juste une safety car, on sait pas d'où elle vient, mais quelqu'un nous donnera l'explication à un moment, hein, Isalta. Nenel, c'est le convoi exceptionnel, ouais, c'est un peu ça.
Il y en a toujours Wizard dans les échappements de Reda et Reda dans les échappements de McQueen. Et Prodigy qui est lui très très loin. Ouais, et qui arrive pas à rattraper. À remonter non, comme il voudrait, je pense. Wizard il est au taquet. Sur puis là il va y avoir le DRS. Hein. Mais Reda aussi. Mais ouais, Reda n'a plus beaucoup de batterie. Oh, Wizard, ça va tenter. Ouais, mais. Oulala. Ouais, oulala, mais ça passe... couvre. Ça, il ça... tente à deux. C'est propre, hein. Ah, c'est propre. C'est propre. Très, très propre. Les deux pilotes, c'est très propre. Allez, Reda, le Japon, c'est chez toi, là. Reda, faut qu'il reste dans l'échappement de McQueen. Parce que dès qu'il aura plus le DRS, ça sera fini pour lui, malheureusement. Ouais, je pense. Je pense, effectivement. Parce que là, on l'a bien vu que Reda, avec le DRS, Wizard a failli le passer. Donc, sans DRS, ça sera très, très dur de défendre. Et comme vous le voyez, les trois ont bien sûr la même usure de pneus sur les médiums, puisqu'ils sont passés au stand au moment de la safety car. Donc, à peine 20% d'usure sur les médiums, bien sûr, ça ira jusqu'au bout. Et 25% de batterie pour Reda et 60% pour Wizard. Et 50% pardon pour Wizard, c'est beaucoup par rapport à Reda. Il va falloir essayer de garder un petit peu de RS, Redouille. Garde ton ERS, Reda. Non, mais il peut pas s'il veut rester dans l'échappement de McQueen. Ben oui, mais le souci c'est que s'il l'utilise trop, dans tous les cas, ce sera perdu. Ouais, mais... Là, il peut se défendre avec... Ah ouais, mais il va aller... La prédiction de pilote du jour, oui, ce sera dans les derniers tours. Ouh, ça se touche, mais... Ouais. Mais Reda reste devant. Il laissera pas sa place aussi vite, aussi facilement. Non, il... Mais tout ça devrait permettre à Prodigy de remonter. Et c'est ce qu'il fait, justement. Parce que là, il est quand même revenu sur eux. Hein. Il est loin, mais il est toujours revenu. Il est revenu. Hein. Alors, juste, je retourne en arrière pour une bataille entre Julien, le taxi Julien et le Juju RM. C'est une bataille de Julien. Ah, et puis nous allons voir Moustique sur Guitance. C'est très, très, très serré aussi, eux deux. Les Alpines, elles ont chaud aux fesses, là. Nenel derrière Moustique aussi. Attention, je l'avais oublié, mais... Mais qu'est-ce qui vient de passer sur Juju? Juju est à nouveau en train de perdre des positions, là. C'est étonnant. Ouais, mais est-ce que Juju... Est-ce que Juju est rentré pour mettre d'autres pneus? Je vais regarder. Je vais regarder. Wizard qui est passé sur Reda. Il a 30%. Il est à 30% sur ses médiums, Juju. Donc Juju est rentré pour en mettre des médiums. Ah, mais là on va voir un Nenel Moustique. Attends, il y a un Checkisma Shox aussi. La Stone elle tente là. Là, elle joue la prudence. Puis Kamado qui suit ça. Shox, hein. Ah, c'est possible. Hein. Shox a une bonne vitesse de pointe. Ouais, mais on dirait que Check, justement, il est. Pas... Shox ne serait pas assez rapide pour lui. On dirait qu'il le gêne. Moustique va probablement se faire. Possible. Vous la sentez la victoire de la meilleure écurie d'El Mundo? C'est un doublé qui serait chouette, mais Prodigy il remonte, hein. Mais il a dû se passer quelque chose parce que Wizard, le temps est assez. C'est rallongé entre Wizard et McQueen, alors qu'il était proche entre Reda et McQueen, justement. Mais peut-être que McQueen maintenant use la batterie. Peut-être. L'usait peut-être pas avant pour laisser Reda dans sa seconde, mais maintenant on l'utilise vu que Reda n'est plus derrière lui.
Il faisait peut-être son le effectivement. Voilà. Tiens, McQueen qui passe en 1:31.5. Donc ma théorie serait la bonne. Je pense effectivement que on a eu la réponse en image. Ouais, Nenel, est-ce qu'il va passer sur Moustique? Oui. Oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer largement parce qu'il y a les médiums sur les hards. Juju qui est derrière Makeups, Juju va. Oh là là là, oh là là, ça fait peur, mais c'est propre. Bah oui. Ça tente pas les. En même temps, il fait du CLM, Felco. Et là, il revient, notre Juju. Makeups n'a plus de batterie. Alors que Juju est à 40%. Ouais, mais là, faut qu'il reste derrière tranquillement. Il va savoir où l'attaquer. Ou secteur 2. J'avais vu que Moustique était repassé sur Nenel. Non, moi non plus, j'étais resté sur notre Juju, justement, parce qu'il va nous. Il va nous le manger, le Makeups. Oui, je pense. Manger. Venom. Le plongeur, ah oui, c'est plus 3 secondes. Ah bah plongeur, il peut être rapide. Ah et le plongeur, ça fait le cause. Il a pris 3 secondes. Il est pas. J'ai pas de pénalité de fichier pour faire le cause, moi j'en ai que pour Fatal. Non, moi non plus, ouais, j'ai que Fatal. Ah, Juju, il a loupé son... Ah, il a loupé le virage, mais il va le prendre quand même. Mais ça passera, ouais. DRS, oh oui, ça passe DRS, très très large. Passe. Oh mais ça passe là. Oh, il a tout perdu notre Juju. Oh là là, trop gourmand le vibreur. Oh, ça ah dommage. Oh là 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 là. On voit, on voit pas, il y a bien le volant. Et Fatal qui est passé sur Kamado et Kamado qui perd tout. Et Bastien qui abandonne. Et Bastien qui abandonne, pourquoi? Ouais, apparemment, il a quitté la session, il est au stand 2. Ah ben, la voiture repart, donc j'espère que ça va pas nous refaire une safety car. Ouais, j'espère aussi. Et Nenel qui est repassée devant Moustique, pardon, du coup on a loupé ça. Ah, elle va aller abandonner dans un coin stratégique, faut l'espérer. 3 secondes de pénalité pour Nenel. Oh, ça va faire mal. Oh, ça c'est dommage pour Nenel. Secteur 2. Mais la voiture ne compte pas être. Ne compte pas abandonner. Hein. Bah écoute, on enlèvera du classement final. Hein. J'espère juste qu'il va gêner personne, quoi. Pas comme une certaine personne la semaine dernière qui avait fait un peu la même chose et. Makeups qui va aller chercher. Non, non, il reste tranquille derrière. Oh, Juju, il a cassé! Oh non! Tu verras sur chat noir! Oh non, Juju! Il a cassé ou il abandonne au stand? Il abandonne au stand. Oh, mais non! Ah, Juju, quel dommage! Ah, je pense que c'était la goutte d'eau de ouais, trop. Ouais, je pense. Ah, c'est dommage, Juju! Ah, je vois que Bastien rentre au stand. Donc, est-ce que cette fois-ci, il abandonne bien ou... bon, bref, Reda... qui est toujours proche de Wizard. Oh! Shaky oh là là, Tom!
Cheikh Ismaël, oui. Oh là là, oh là 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 là, on a failli. Il est passé, ah ouais. On est passé loin du carnage, hein. On est passé près du carnage, je veux dire. Notre Bastien qui est ressorti, hein, des stands, donc. À mon avis, il est toujours dans sa voiture. C'est lui qui conduit. Hein. Non, non, c'est pas lui. Bah, il a mis les. C'est pas lui, puisqu'il me dit qu'il abandonne au stand. Oui, oui. C'est l'IA qui a décidé de mettre les softs. D'accord. Parce que c'est dit qu'il avait rien à perdre et qu'il allait faire. Un meilleur temps. D'accord, d'accord. D'accord. Du coup, Cheikh Ismaël a perdu effectivement beaucoup. Mais là, Cheikh revient dans les échappements de Moustique. Ouais. Mais par contre, c'est notre réserviste, hein, Spanish, hein, fait pas de bruit, mais est remonté quand même à la 8ème place. Hein. Il a gagné 11 places, ce réserviste. Ouais. Ouais, parti 19ème, il est 8ème. Par contre, on va avoir Guitance sur Fatal. Ouais, ouais, c'est ce et on a un drapeau. Oh là là, nous avons une AlphaTauri. Où ça? Bah, qui était. Sébastien, je pense que Sébastien. Je pense que Sébastien, il doit avoir. Il doit gêner là. Bah ouais, mais il était complètement hors piste. Oh, Cheikh Ismaël qui repère la voiture. Ah non, il rentre au stand. Ça y est, Bastien a quitté. Ça y est. Fatal, Shox, Guitance, c'est proche tout ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est proche. Hein. C'est très très proche. Il nous reste deux tours. Oula, c'est le jeu qui a planté. Ah ouais. Ah, ça c'est génial. Toi aussi? Ouais, ouais, chez moi, ouais. Ok. Enfin, le live. Bon, et bien, je crois que ce sera une fin de live, hein, vu qu'il restait deux tours. Hop. Voilà, voilà. Génial. C'était pas. Ouais, c'était un jour sans. Ouais, ouais. Je pense que ça a planté pour tout le monde, effectivement. Bon. Ah ouais, parce que là on a. Et ben écoute, je pense que c'est fini. Hein. Ouais, bah Cheikh Ismaël tient disqualifié, arrêt à un endroit dangereux. Ah bon, moi j'ai plus rien. McQueen. Ça roule toujours. McQueen toi a pris le meilleur temps. Ah oui, oui, ça roule. Ah oui, moi le c'est pas le jeu, moi c'est pas le jeu qui a planté, hein. C'est chez toi que ça a planté. Hein. Ah. Alors attends, faut que je reprenne ton invitation alors. Attends. Tarte. Invitation. Tac 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 tac. Attends. Ok, accepté. Annie. La crème. Voilà. Normalement t'as reçu. Impec, merci. Bon, excusez-moi, du coup, on voit plus rien à cause de moi, là. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, parce que je suppose que c'est fini, là. Ouais, ouais, il reste un dernier tour. Donc, nous avons toujours la bataille Shox, Fatal et Guitance. Ils sont toujours l'un derrière l'autre. Et nous avons McQueen qui va entamer le dernier tour. Alors, dis-moi qui je mets en pilote du jour pour le sondage, au moins ça. Spanish. Ouais, bah justement, Spanish, Prodigy, Shox, Wizard. Non, faut pas qu'il soit sur le podium. Ah oui, alors donc The Prodigy, Shox, Fatal. Spanish. Ouais, il m'en faut un dernier. Et puis, il t'en faut un dernier. Guitance. Non, bah laisse comme ça, c'est bien. Allez, c'est parti pour le sondage. Votez.
Bon, moi ça veut pas du tout revenir. Bon, bah le jeu a... Non, du coup, McQueen, bah, de toute façon, vu comment que c'est parti, il a 15 secondes d'avance sur Wizard. Donc Reda va peut-être aller chercher sa deuxième place, mais bon... Parce qu'il arrive vraiment dans les échappements de Wizard. Ils sont à 5 dixièmes de l'un et l'autre. Je sais même pas comment on fait pour fermer la session. T'appuies sur le bouton PS et tu fais fermer le jeu. Et... Bah, sur PS4, oui, mais sur la PS5... Non, mais là, sur le jeu en bas. Là, tu vas vers la gauche. Va vers la gauche. Ok. Voilà, là, t'appuies. Voilà, là encore. Ok. Voilà. Faut une formation, madame. Il vous faut une formation. De ouf. Donc, Wizard qui n'a plus de batterie. Reda non plus, d'ailleurs. Donc, victoire de McQueen. Donc, Wizard, Reda, Prodigy, Shox. Donc, Guitance P6, Spanish P7, Fatal P8, Nenel P9, Moustique P10, Kamado P11, Taxi Julien P12, Makeups P13, Felcoz qui a tout perdu avec son spin 14 et Chat Noir 15. Donc, Bastien, Juju, Sheikh Ismaël, Isaltar, Tom. Donc, ces trois-là, enfin, les trois derniers qui ont été disqualifiés. Et Bastien et Juju qui ont abandonné dans les stands. Enfin, je suis désolée, je vous fais tout louper, mais vous voyez bien, hein, je suis en train de batailler, ça veut pas. Donc, pilote du jour, Fatal. Tout à fait. Tout à fait. Bon, je les invite dans la vocale. Alors, tu m'as dit, il y a qui en... en... Qui sur le podium? Donc, McQueen, Wizard P2. P3, Reda, et pilote du jour, Fatal. Je t'ai pas suivi, Shuka McQueen. Donc McQueen, Reda. Il est où McQueen? Alors, j'ai la cam de McQueen, mais j'ai pas la photo de McQueen, c'est une blague. Ah, et Wizard, c'est ça? McQueen, Reda, Wizard. Enfin, oui, McQueen, Wizard, Reda. Oui. Et donc, pilote du jour, Fatal. Allez, hop! C'est ça. Donc, je vais les inviter. Podium. Vas-y, excuse-moi pour ce retard. Béro qui revient, pas d'image et de voix nana. Oui, la crème a été appelée et on a un gros bug qui fait que je n'ai pas pu voir la fin de cette course et j'en suis extrêmement désolée. Oh punaise, ça m'a rien. Par contre, je n'ai pas Wizard. Il est où, Wizard? Est-ce qu'il n'est pas déjà dedans? Ben moi, il n'a jamais accepté mes invitations, donc. Hop. Allez, invitation envoyée, on va voir. Si. Bon, on a qui est arrivé dans la vocale du coup?
Est-ce qu'on a Fatal? Tout le monde sauf Fatal, non. Ah. Ah, donc on va commencer par Reda, du coup. C'est obligé. Bah, je te laisse faire les interviews, Aurel, parce que vu que j'ai pas suivi la moitié de la course, je ne sais même pas quoi leur demander. Bonjour, messieurs. Alors, Reda, raconte-nous ta course, ta qualif et ta course. La qualif et la course, bah la qualif, je pars P5, je pense, pas. Je sais pas, il n'y avait pas trop de grippe, puis c'était un peu froide. Après, j'ai coupé sur mon dernier relais dans la chicane. Mais bon, je pense pas que je serais parti plus près. Après, du coup, on profite un peu de la relance de session pour passer Isalter parce qu'il s'est fait disqualifier. Et puis après, voilà, c'était une course de chronomètre. Et puis voilà, quoi. Puis à la fin, on ramène un podium. Donc, c'est cool. Ouais, les gars, bonsoir. Salut. 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 Vas-y, Reda. Reda, continue. Mais attention, ici c'est pas la crème, hein. Le temps il est compté. J'ai fini, c'est bon, je suis content, on a fait P1, P3, voilà. Allez. Demain il neige, les gars, demain il neige. C'est sûr, on est mort. C'est vraiment tout ce que t'as à dire. Donc t'auras pas une troisième victoire consécutive au Japon, alors. Ouais, mais j'ai un nouveau podium au Japon, un cinquième podium consécutif, et je prends. D'accord. Bon, ben, j'aurais préféré que tu ailles chercher la victoire quand même pour une troisième victoire consécutive. Ça aurait été quand même la première fois. Faut rester lucide. Et aujourd'hui, c'était pas possible. Donc, c'est pas possible. Voilà, j'aurais pu aller au mieux faire P2. Mais P3, c'est déjà bien, quoi. Bon, bah d'accord. Bien. Bon, bah on fera avec. Fatal, bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. Donc raconte-nous tes qualifs et ta course. Bah écoute, écoutez même. Qualif, franchement, inespéré d'être en Q3 pour le peu d'entraînement que j'ai eu. Un petit problème avec le pédalier, j'avais prévenu Rémi en fin de soirée. Du petit problème que j'ai eu, mais bon, tout est rentré dans l'ordre juste avant la course. Après, après j'ai eu de la chance. En Q2 j'étais 10e. En Q3 honnêtement j'ai essayé de me placer le plus haut possible, donc ça a été la P8. Départ catastrophique où je manque de la perdre, je suis pris entre plusieurs voitures, je fais attention, j'essaie de pas trop toucher les copains, je perds des places, mais bon, c'est pas trop méchant. Et dans le début de course, apparemment, je touche moustique. Mais sur ma vue, j'ai pas l'impression de le toucher, mais je le touche, il perd la voiture. Donc, je lui envoie un message pour m'excuser. Ensuite, c'est Bastien qui me rentre dedans, qui me fait partir légèrement en spin. Après, je perds la voiture. Enfin, début de course chaotique. Je pensais pas revenir. Et bon, après, il y a eu la safety car. J'étais avec Nenel. Je pense pas qu'il y ait eu de coup de roue, mais j'ai vu qu'il était parti en spin. Donc j'espère que c'est pas de ma faute. Et comme après j'ai fait de belles petites batailles, une remontée sympathique. Et, bon, j'ai pris 3 secondes de pénal malheureusement, bêtement, mais bon, je suis quand même assez satisfait dans l'ensemble. De rien avoir lâché, d'avoir mis des points pour Red Bull, c'est le principal, et très content de Prodigy, mon coéquipier qui finit P4. Donc voilà, c'est pas mal. Oui, c'est ça, vous ramenez des gros points à vous deux. Ouais. Et je dois encore chercher à m'améliorer, mais je suis plutôt assez content malgré tout pour ce soir. Et ça va le faire. On s'inquiète pas là-dessus. Ça marche, ça, c'est gentil. Bah, bravo à tous, hein, pour la course et puis au podium. Je sais même pas qui a gagné la course, du coup.
Ah bah c'est toujours le même, hein, c'est McQueen. Ah, ah ouais, franchement j'étais tellement fondant dans la bataille à la fin que j'ai même pas vu, donc bah écoutez, bravo à McQueen une nouvelle fois pour sa victoire. Merci Fatal. Très bien, merci. Donc voilà, ouais, après bonne merci soirée. Merci Fatal, à toi aussi et à très vite. C'est au tour du grand brûlé. Comment vont les cloques, Wizard? Bien, bien, bien. Très, très bien. Pas de soucis là-dessus. Et la course? Et la soirée? La course, bah, la qualif, je prends 5 places de Pena parce que il y avait un Juju RM furtif sur la piste. J'essaie de l'éviter, mais on se touche et puis je prends 5 places. Du coup, qualif, je fais P2. Je pense que c'était pas mal. Après, je pense que McQueen elle aurait pu faire largement mieux. Donc, ce que je m'étais mis comme objectif, la deuxième place. Donc, je pars P7. Départ, j'arrive à gagner 2 places avec le DSQ de Isaltar. Donc c'était bien. Fallait que je reste derrière Reda et le tenir. C'est ce que je fais jusqu'à la safety car. Et après la safety car, fait le cause de spin. Ce qui me fait être derrière Reda. McQueen il attendait Reda pour qu'il puisse avoir le DRS. Et c'est là où il fallait que je tente quelque chose, que j'attaque, que je mette full batterie si je voulais espérer quelque chose. Après ça passe sur Reda. McQueen, j'ai pas pu raccrocher la seconde. Mais bon, j'aurais peut-être pu. Mais P2 c'est bien. Là il faut rester constant et puis mes circuits favoris arriveront plus tard dans la saison. Donc, c'est-à-dire ouais. Plus tard, c'est quoi ton circuit favori? Ça c'est surprise. Alors, c'est la Belgique une fois. Ça se passera bien. J'espère aussi. Bon bah super Wizard, merci à toi. Dis donc, vous êtes vachement sage les RCR ce soir. Allez, passe au dernier RCR mais qui est premier sur le podium. McQueen, comment ça va McQueen depuis avant-hier? Si. Ah c'est votre mot de ce soir tous les deux, c'est ça, d'accord. Oh bah écoute, depuis avant-hier on a récupéré. Et vous, comment vous allez On n'a pas Anna récupéré. Et Oral. Vous n'avez pas récupéré? Non. Non, pas du tout. Putain. Mais on est quand même content ouais, de se retrouver des soirs. Faut pas oublier que je suis de 74. Hein. Donc je suis vieux, donc j'ai du mal à récupérer. 73 même, il avait dit. 73, pardon. Ouais. Pas encore. Bah, j'étais pour ça. Bon, bah écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bah, concernant la qualif, je pensais faire mieux, mais bon, ça fait quand même la pole. Et en course, bah, j'ai pas utilisé ma batterie jusqu'à la safety car. Je crois que quand il y a la safety car, j'ai 93 ou 95% de batterie. Et après, bon, à la relance, il y a Felcos qui spin. J'arrivais à garder Felcos tout le temps autour de... En fait, c'est le DRS qui lui permettait de rester dans la seconde. Et après, on a essayé de maintenir la P2 de Reda avec le jeu du DRS et des Aspi. Mais il n'avait plus trop de batterie. Donc au final, bah, dès que Wizard il a doublé Reda, j'ai pris la poudre d'escampette. pour pas me retrouver dans un train DRS de nouveau, et à la fin bon, je recharge ma batterie, j'avais de la batterie donc je fais le meilleur tour, donc ça permet de prendre la tête du championnat de nouveau pilote et constructeur, et surtout qu'on arrive sur mes circuits favoris, donc là ça va être top. Alors ça aurait pu te permettre de passer premier pilote et constructeur, mais je te rappelle que t'as le ban de ce week-end. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup ça a compté pour rien ce que t'as fait aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. Non, je suis pressé d'être à Silverstone et à Spa pour le coup, parce que voilà, c'est des circuits sur lesquels je suis très à l'aise. Bah, le Japon, c'est l'un de mes circuits favoris aujourd'hui, donc j'étais content de rouler dessus. Et on va voir, ça va être quel GP mystère, sachant qu'il n'y a plus Monaco. Donc, on va peut-être permettre juste pour rire. Sachant que tu peux tomber sur un Singapour, non? Oui. Non, vous l'avez déjà eu, pardon. Non. Ouais, bah je serais content. Moi, je veux juste tout sauf. Non, je vais pas dire parce que sinon vous allez faire en sorte. On peut pas, malheureusement, on peut pas tricher. C'est ça qui est. Moi, j'y crois pas, donc
tant qu'on verra pas quel cercle sera tombé. Voilà. Bah, je tiens félicité. Dealer, tout sauf Mexique. Non, oui, non, mettez tout sauf Espagne, voilà. Ouais, tout sauf Monza. Tout sauf Monza. Mais là, ça fait non, trop de trucs à enlever, les gars. Il va vous entendre sur un seul, et puis à la limite. Non, je déconne. Bah, bravo à Wizard, bravo à Fatal pour sa remontée. Bravo à Felcos pour être rentré à Maranello direct. Ah, non. Merci. 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 Parce qu'il faut savoir qu'on s'est tapé une énorme durite quand Felcos est parti à la faute. Mais bon, c'est de bonne guerre avec les Ferrari. Bah oui. Et à la semaine prochaine. Et bien oui. Merci beaucoup, messieurs. Bravo les 3 RCR du podium. Félicitations à vous tous, à toi Fatal, et puis bah, bonne soirée, merci on beaucoup. Se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas où, du coup, c'est Silverstone la semaine prochaine, non? Oui, c'est Silverstone, déjà ouais. Sprint. Bon bah bonne semaine d'entraînement à vous, et puis peut-être à la semaine prochaine. Merci bien, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et oui mon Aurel, je suis contente d'avoir passé une 20 minutes avec toi. Ouais, ça m'a un peu perturbé. Ah bah j'imagine, oui, j'imagine bien. Merci à tous qui nous ont suivis, désolé pour cette fin catastrophique, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant la connexion elle est bien bonne, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Désolé en tout cas, on vous expliquera tout sur le classement final. Vous retrouverez bien sûr sur Facebook comme d'habitude. Morel, bonne soirée. Bah merci et bonne soirée à tous. Et puis à mercredi en piste, toi et moi. Oui oui, hâte d'y être, Portugal. Demain, c'est encore moi que vous retrouverez puisque cette fois-ci, je suis titulaire présentatrice du groupe expert le mardi soir. Donc je serai là demain soir avec Skippy. Et mercredi, vous retrouverez Juju et Poivron, donc le Viking qui reviendra en meilleure forme. Accompagné de son poivron national et voilà pour finir la semaine il y aura bien sûr jeudi la WSF qui revient avec la crème et acide aux commandes et plein de petites nanas sur la piste. Je vous souhaite une bonne soirée, à très vite.